On se retrouve pour une nouvelle aventure d'amour, gloire et excès. Sauf qu'à New York, laissez-moi vous dire, il y a clairement eu plus d'excès que de gloire. Le dernier voyage à Los Angeles était magique, mais vraiment trop ennuyant niveau contenu. Genre, for real, j'avais trop hâte qu'on passe aux épisodes de New York. Ce voyage, c'est dans une nouvelle ville, un nouvel environnement. Et plus on y est resté, plus on a vécu notre meilleure vie et moins il y a eu de limites. Dans cet épisode, je pars à New York. Jamais allé de ma vie depuis que je suis petit. C'est mon rêve et le mieux c'est qu'il y a un cast hyper improbable. Et à chaque fois qu'il y a des casts improbables, j'adore. Je pars seul en avion et je vais rejoindre Bilal qui est déjà sur place. Bonsoir Paris. Après une année à 1000 à l'heure, notre superstar française Bilal Hassani avait besoin de vraies vacances pour se recentrer sur soi et regagner des énergies. Vous le connaissez déjà, mais là vous allez le découvrir comme il est. Toujours good vibes, toujours là pour s'amuser et pour faire rire. Après il y a Lena et Sullivan qui arrivent demain. Sullivan, bon, that's my bestie. Vous l'avez vu dans 2000 épisodes, donc pas besoin de le présenter. C'est Sully quoi. Il est tombé malade dans le voyage, évidemment. Il y avait également Lena, que j'ai vu que 2 jours parce qu'elle était en plein déplacement à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, girl boss move. Mais toujours le sourire et ça m'a fait plaisir de la voir. Il y a aussi mes amies américaines qui arrivent demain. 48 heures avant mon départ, j'ai appelé mes BFFs from the USA, Ali et Alexa. Et ces folles ont décidé de venir me rejoindre à New York en dernière minute. Malheureusement pour elles, ça a été un vrai périple, vous allez voir. Si vous ne les connaissez pas, c'est des boules de bonheur, d'humour et de pureté. Et si vous ne parlez pas anglais, laissez-moi vous dire d'avance que vous n'allez pas les comprendre si vous lisez pas les sous-titres. Plus tard, vous allez également rencontrer mes amies américaines Sarah et Lily. Ces beautés perses ne laissent clairement pas les hommes indifférents. Mais elles n'ont pas besoin d'hommes. Elles vivent leur best life, leur alchimie est géniale. Elles disent ce qu'elles veulent et font délirer. Elles peuvent paraître superficielles dans leur manière, mais ce n'est pas le cas. Sarah est mon amie depuis des années maintenant et elle fait toujours passer les autres avant elle-même. Sa phobie, voir des gens exclus, mal. Lily, quant à elle, travaille à temps complet pour aider des enfants qui sont en difficulté. Comme quoi, ne vous fiez pas aux apparences. Et à partir du 1er de l'an, il va y avoir 2 personnes qui sont très très proches de moi, mais que j'ai très rarement montré sur YouTube ou sur mes réseaux. C'est des amis qui sont pas youtubeurs, mais je les aime de tout mon cœur et c'est Kim et Yanis. De nouvelles têtes. Yanis et Kim ont été archi présents dans ma vie pendant la dernière année, mais ça, vous n'avez pas pu le voir. Vous allez enfin les connaître et j'ai hâte. Ils sont eux-mêmes et disent tout ce qu'ils pensent, sans filtre. Yanis, c'est ma 6. Nos énergies collent tellement bien ensemble. On est un mélangé d'attitude et d'extravagance, mais on partage tous les deux un cœur en chamallow. En quelques mois, on s'est appris tellement de choses mutuellement. On se fait grandir, on se complète et on se pousse vers le haut. Timide au premier abord, il cache bien sa folie. Mais dès que tu le connais, prépare-toi à t'éclater. Il a une énergie apaisante, un visage d'ange et tout le monde l'aime. Mais s'il se fait manquer de respect, croyez-moi qu'il le fait savoir. L'ange peut vite devenir démon. Kim, je l'adore. C'est un concentré de folie attachante. Je l'appelle Toupou parce qu'elle est hyperactive et va à 3000 à l'heure. Très professionnelle dans le travail, mais avec nous, c'est une autre histoire. Cette meuf, c'est une honte. Mais une honte dont nous sommes fiers. Sa façon d'être peut choquer. En positif ou en négatif. Mais en tout cas, on se rappelle d'elle. Nous, on l'aime pour ça. Son audace n'a pas de limite et elle n'a pas peur du ridicule. C'est une personne pleine d'amour, de sincérité et de loyauté. Le duo Yanis et moi, il est vraiment infernal. J'ai vraiment hâte que vous nous voyez ensemble. Et au milieu, t'as Kim qui est complètement cinglée. Donc je pense que cet épisode risque d'être assez drôle. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre à New York. Des guests surprises. J'ai fait une rencontre magnifique là-bas et c'est la chanteuse Iselt. Déjà fan de sa musique avant de la rencontrer. Oh mon dieu, j'essayais de pas trop fangirler. On interagissait de temps en temps sur Twitter, mais rien de plus. La découvrir dans la vraie vie, c'était magique. En tant que personne, elle est tellement drôle, adorable et elle se casse pas la tête. L'écouter chanter en vrai, c'était comme une cure auditive qui n'a pas de prix. Cette femme regorge de talent, d'art et de sincérité. Donc allez streamer, b****es. Qu'est-ce que c'est ce voyage? Je ne sais pas, mais je pense que ça va être un épisode d'Avant Gloire et que c'est très palpitant. Allons-y, on se retrouve à New York. On vient d'arriver à New York, mais si vous saviez la température qu'il fait ici, je crois qu'il fait genre 2 degrés. Donc regardez ce qu'on va faire. Tada! Je suis prêt à affronter le froid. Devez-vous demander qu'est-ce qui se passe? Je mets des masques de nuit pour que ça hydrate bien. Là, je suis arrivé à l'hôtel. Il nous fait un peu flipper avec Bilal. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Ça sent le cannabis partout. De toute façon, ici, on reste que jusqu'à après-demain. Bilal, il est un peu en pause de réseau. Personne sait qu'il est à New York. Il l'a dit à personne. C'est genre secret.
très New York, très fausse fourrure. Feeling my fantasy et regardez qui est arrivé. Ah, New York. Regardez. On est belle, on est fraîche, on est... Les talons, businesswoman, elle travaille dans la finance, elle a fait tout son empire et elle s'est fié dessus. Elle a pas le temps d'aller aux toilettes. Il y a aussi Lena du coup qui est arrivée. La caméra elle est cassée, dès que je vais fix that out, on va commencer avec ce soir le nouvel an. Ton année 2019 en trois mots. Amour, gloire et excès. J'espère que votre début d'année 2020 s'est super bien passé et que le reste de l'année va être iconique. Que vous allez être une bad bitch, que vous allez vous en foutre de ce que les gens pensent de vous. Mes potes américaines ont pris un avion qui arrive trop tard. Ça veut dire qu'on va faire un restaurant avec une des potes de ma pote Ali qu'on ne connaît même pas. J'espère que ça va pas être trop gênant. Finalement, on va plus au restaurant. On va être sur cet outfit. Ici, on va tester le Popeyes avec un peu de vin. Que pour moi, évidemment, parce que t'es underage. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce Popeyes? On dit qu'il est trop bon. Le chicken sandwich. Pourquoi les gens ils sont tellement à fond sur on ça? On goûte ensemble là en tout. How in the world does a fast food chicken restaurant run out of fried chicken sandwiches? Imagine, il est genre dégueulasse. Silence in the room. C'est grave bon. Donc voilà les filles, ça se présente comme ça. Il y a rien dedans. T'aimes pas? Un bien de ouf. Pour le coup, c'est la dernière malbouffe que je mange de l'année. J'ai un truc quand même, c'est 2020. Mais là pourquoi t'es emo comme ça? Ça fait un peu quelque chose. Moi voilà, ça me fait quelque chose. Genre 2020, ce qui se passe là, c'est juste à côté. Can elle ramène des shots et tout? And it's so good, I love Bailey. Let's go, I have more. So we're reunited, what the fuck? On refait le countdown. That hurts my heart, I'm gonna have with you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Oh my god! Yeah. It's okay, it's 2020, who cares? It's a new makeup trend. We have to finish the last vodka. I have it. Oh wait, here, I put it in here so that I can take it. Voleuse! She literally goes. She deep-throated the shot. I'm literally gonna puke in like an hour. But guys, I cannot believe we're reunited. I am so happy. And the fact that we're in New York for New Year's. Literally. Like, what? This isn't even real life. The other day you were like, come to New York. And I was like, okay. We wanna go ice skating. But so I think there's such a big line. Oh, we don't wait in line. We have a promoter to get us in. The promoter you find on Yelp. Anyways, I hope Steph's party is fun. Bref, là on va une soirée, on sait même pas comment. Wait, what happened to your bags? I don't know where they are. My aunt's jacket and shoes are out here hoeing me. Your luggage is literally lost, and you were like, "Fuck it, it's New Year's, I have to go." Yeah, I said whatever. What are they gonna steal from me? A fake Gucci bag. Guys, la soirée était nulle. Apparemment, il y avait des dramas. Du coup, on prend des photos Insta. Can we go to the club? No one cared about me tonight from this photo. Oh, so you really took a photo of yourself again? You want to go to the club? Are we even going? No, I don't think so. I'll go to the club with you. Guys, on vous explique, là, il y a du vent juste ici. Quand on passe de la rue à l'avenue, il y a du vent. Oh, it's coming our way. Oh, oh my god. There's no way out. Okay, it's less cold here. Really? You think? If there's f***ing cab, I'm grabbing it. I'm from Chicago. I can handle this. Ew. Did you say ew? This house looks really nice. Should we just knock on the door and ask if we can stay? Thank you, LaGuardia. You're the reason that I started 2020 off looking ugly. Neronia, who is she? I am her. I hate New York. En taxi, je vais lui demander. There's no one in this. Where are we? I'm so good at that. This was the weirdest New Year's Eve I've ever had. La grand-mère d'Alexa a vu une photo de James Charles et elle lui a dit oh my gosh, who's that girl? She looks like you. I'm offended though because he looks good. There's so many taxis but they're all busy.
Here! Please! Do you need a customer? We just got all of them! Oh my god, we got three in a row! Alexa, are you alive? Literally not! Keep pressing! Keep! Don't stop! It's flashing! This hotel is the worst thing of my life. You guys should consider waking up. Good morning, Sanchez. Hi, good morning. I'm calling to request a 1 PM checkout, if that's okay. Okay, perfect. Thanks so much. Last night, they were like, not possible, 12. She said yes. Happy New Year. That's because you're so sweet on the phone. Alexa, boom. I love your pyjama. It's ready for New Year's Eve. So I wore this sweet out last night, out again. It's multi-fashion. Literally, they're drunk. Will you come to Chicago with me after? Like, will you really? I'm really scared because my luggage still hasn't come. I miss the summer already. Awesome. I love summertime. Sullivan is here. On va manger à là-bas. Un restaurant à Singapour et on est super contents parce qu'il a nous soir. Ah, quelle horreur. Oh, on peut aller cracher. Oh merde. Les poupées russes. C'est un bistrot. Les naïbes, on peut pas. C'est un Pepsi, on a demandé un Coca. On est dans une boutique où il y a les meilleurs chefs-d'œuvre de la littérature. Et où est-ce qu'on se retrouve? On prend un chef-d'œuvre. C'est Times Square. Voilà, t'es à Times Square. Génial. Et puis il y a du bruit. Du bruit sacré, ça j'adore. Mon anniversaire, je veux bien ça. Bilal exige un billboard pour son anniversaire à Times Square. Cotisons-nous. Avec mes compétences en Facetune, je vais tout simplement ajouter ta photo sur un billboard. Je te perds dans la foule. Emporté par la foule. Donc je vais l'écouter dans un bar avec un verre. C'est vraiment sur les deux qui vont monter un an à droite. Vraiment, le truc qui manque ici. À Monaco. Nos bonnes vieilles terrasses parisiennes chauffées. Moi je sais pas comment j'aime pas la terrasse, c'est de neuf voir le verre à l'intérieur. Ouais. Je vais me séparer de vous. Oui. Ah, tu vas à l'hôtel? Et tu le vois un autre jour? On ira le revoir. Et vu qu'il y a ma pote Kim qui arrive, j'aurai pas le temps de voir le musical. Je voulais vous dire que mon délire maintenant c'est plus de dire je hurle, c'est de dire je muse. Je muse. Je muse. Et je vous raconterai ça quand on sera la team au complet avec Kim et Yanis. Kim elle a envoyé ça. Je muse. Elle a dit OMG, le Uber a cru que j'avais un orgasme. C'est ton premier amour plein réaxé. Oui. On va te voir dans tous tes états. Je meurs d'envie de chier, c'est horrible. Kim, je souffre. L'hôtel, bienvenue en Arizona. Il est trop mignon, je l'adore. On dirait Elton John. Une icône de la pop, une icône du monde. Non mais je rêve où il a cramé que je le filmais, il fait la star là. Hein? Je viens de perdre 2 kilos en 5 minutes. Mais pourquoi t'as mangé quoi hier? Les lendemains de soirée, quand t'as bu de l'alcool la veille et que tu manges un truc, il suffit qu'il y ait un peu de crème, un peu trop d'huile et ça descend directement dans ton ventre. Des bouteilles d'eau et tout. Alors hier la soirée à Metz, elles ont loupé leur question, regarde là-bas. Mais je suis traumatisée en fait, j'ai le regard vide. T'as vraiment un regard vide. Une figurine, une figurante. Un poupou. Hier, Alexa et Ali ont loupé leur avion 3 fois. Où on avait qu'une soirée, c'était la soirée de ma pote Steph. On devait aller au restaurant avec Ali, Alexa et une des potes de Ali. Elle loupe l'avion. Ça veut dire on va avec l'inconnu. On la connaît pas parce que c'est une pote à Ali. C'est pas une pote à moi. Vous avez pas été. Du coup, hyper gênée. Du coup, on dit non, on va pas pouvoir y aller. Ali, elle m'envoie un message. Elle dit oh mon dieu, c'est hyper gênant parce que c'était un hôtel grave de luxe. Donc, ils vont lui enlever 200$ si on annule. On fait le before et tout, les filles, elles manquent le nouvel an. Elles ont fait le nouvel an dans la rue avec des chocs quand je descends du beurre pour aller à la soirée. Ma pote elle me dit, oh the party is starting to die down. Genre la soirée est en train de crever. On rentre dans la soirée, il y a 6 personnes. Oh non. Avant de rentrer dans la soirée, je voyais des gens qui partaient de l'immeuble et qui pleuraient. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la soirée elle était nulle, ils pleuraient. On a fait notre full face pendant 2 heures et finalement on arrive, j'ai la personne. Du coup c'était hyper gênant, elle commence à ranger. Alors qu'on vient d'arriver. Ali elle vient me raconter parce qu'il y avait une de ses potes de LA qui était à la soirée parmi les 6 personnes qui l'auraient cru. Que 20 minutes avant qu'on arrive, il y a eu un énorme drama qui a explosé dans la soirée. Et c'est pour ça que tout le monde s'est barré. Moi j'ai passé un nouvel an de merde aussi. Ouais tu m'étonnes. J'ai besoin de travailler comme ça derrière mon arbre. Il est trop beau. Par contre, pour ouvrir nos valises, ça va être un scandale. Hein. Folle. Arrête, Kim.
Les valises elles sont énormes comparées à la taille de la jambe. Ça rentre pas. Même pas passé, on fait comment? Et le pire c'est qu'on a Yanis qui vient demain avec deux autres valises. Qu'on aille demander une suite. On a demandé à aller visiter une autre chambre. L'autre chambre en fait elle est beaucoup plus grande, donc ça serait parfait pour se préparer. Sauf qu'il y a qu'un seul lit. Et le truc c'est qu'à partir de demain on va être trois. C'est pour ça que c'est dit de pas sauter sur les lits. On a changé de chambre. C'est beaucoup plus grand. On a deux télés. Bon après un lit ça va être un peu un enfer. Regardez les décos de la maison de la grand-mère d'Alexa, c'est trop beau. Si on fait ça en France, nous, ils nous prendraient pour des timbrés. Alexa, I'm literally so impressed by the decoration. You look so cute though. De la bouffe indienne. Look, it looks like we're like in a cartoon. Guys, ce dessert est trop bon. Je pensais que c'était du chocolat, mais à l'intérieur, c'est des haricots noirs. Tu peux être trop fort. It's a French shop. Oh my god. Cheers. I think I need water. Can I put it from here? You sure? Yeah, yeah. Honestly? Yeah, yeah. Thank you. No, die. We have to take two. Round two. Hey, without me. To bar outside. Yeah, we're going to the bar outside. Okay. This is my hangout spot. Wait, oh my god. Flex on down next. He's a party here. He has like a huge sound system. He's so loud. Oh my god. My aunt is really religious and conservative. And here's the other part. Yeah. So 2020, happiness, success, friendship. Who cares about love? No, I'm just kidding. Family. Let's go. Wait, Alexa. Alexa. Give me my clothes back. Let me just tell you why really quick. So I had a cut on my arm. There's blood on my shirt. I tried. It kind of gives it a vibe. She has so much blood on it. Yes. How's that been? It's watermelon. C'est trop drôle, je sais pas ce qui nous a pris avec Kim, mais on a décidé de faire croire aux filles que nos années d'études, genre CE1, CE2, 5e, 4e, seconde, première, c'était des noms de fruits, que genre par exemple on disait je suis en pastèque, je suis en citron, je suis en noix. It is. Pear. Yeah. Pear. Wait, you guys have to say it at the same yes. time. Ninth grade is what? Lemon. Oh, liar, liar. You guys really hacked. You can be the king, the blood, the queen, come. First thing first, I'll eat your bread. They like translate it to like fruit. So they literally, so like, really, so like. Hey guys, nouveau jour à New York City. Là il y a mes potes américaines qui sont arrivées. Il y a Kim qui est ici, qui s'est fait son petit liner assorti au pull. De leur côté il y a Bilal qui est en train de se faire filmer 24h sur 24 pour une émission. On est tous tombés malades évidemment parce que il fait très très froid. Il fait 40 degrés dans la chambre parce que Kim ne s'est pas manié le chauffage. On est revenu hier, c'était un sauna. Sorry, the glasses too much. No, Chris Jenner vibes. You are Chris Jenner. You're my daughter, you're Courtney. Come on. Food. She looks like she's ice skating. Oh my god, Kim, are you crap? Mais t'as vraiment trop mal. Ah, je souffle. Hein. Viens, on échange de chaussures. Vraiment, je te demande. Tu sais que j'ai jamais pris talons. Ok, allez. Wait, Ali, Alexa. Guys, we're changing shoes. Oh, they're my size though. Get you friends like me, literally. Oh my god, ow. It's happening. Try, can I walk with those? It obvious. I just got the check for the positive. 750 for the sound wave to get it processed. Okay, let's pick up Yanis. C'est trop hâte. C'est pas lui. Je. Yanis, this is Alexa. I heard so much about you. This is Ali. I'm so happy to hear I'm breaking your heel. C'est tous les souvenirs qu'elle avait achetés à Paris et qu'elle avait pas pu donner à sa famille, je l'ai ramené. This is what I got for myself, ready? Je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours. This is like the cutest friendship moment I think we've ever had. I'm literally so obsessed. I don't need my suitcase anymore. This is the most valuable object I've Voilà notre amitié. Il se douche et nous on lui parle. Alexa, Ali. You were literally addicted to working out. It was a problem. At 7 p.m., if you hadn't had time to work out, you would literally break down and cry. You would not even go
go out with us. I have a toxic relationship with food, but you have a toxic relationship with sports. J'ai fait l'avion avec la face, j'ai respecté. Je hurle à la douane le truc de reconnaissance. J'ai fait un cadeau à Yanis de LA parce que j'ai vu des pantalons qui sont iconiques. Genre ils font vraiment sur la taille. Si ça grossit, regardez Yanis. Les hanches. Que c'est choquant. Ça choque. On fait la chorale. L'avion. Bon c'est bon. Et moi je vais. Danger. Thank you for letting me be your musician. What do you want to do? Go to a porn show. People are like naked and they're like having sex in front of. That is I so love that she starts scary. It with, we could just be chill tonight and then. I don't want to go to a porn show. I'll go on my own then. No, see, they like swallow it. It's alright. I was just. Don't worry about it. I wish I was as outgoing as Kim. Elle envoie des mêmes gens dans le métro. Je vais faire pareil. Tout le monde refuse. Ils ont peur. C'est toutes les boîtes qu'on va essayer de rentrer ce soir. Gragra, elle est venue ici. Will. Lil Wayne. Et là, il y a Paris Hilton, t'as vu? Courtney. Al Pacino. Lindsay Lohan. All My Love. Ce soir, les petites grenades. Les papes, Yanis, faut poser. C'est trop stylé. Oh. The episode 1 of Amour, Gloire et Excès. The iconic episode. Et après, envoyé spécial, Amour, Gloire et Excès. Ça va, merci pour ta patience. Vous voulez voir ce que c'est? Être une bad bitch qui fait des strikes. Vous avez pris quoi à boire? Des coke. Moi je vais prendre un cocktail. Tu vas pas faire un boule? Non mais j'ai une carte. Fake ID. C'est moi comme ça. Mais oui mais ne t'en rapproche pas, pourquoi t'es loin? Attends mais il tient de là. Kim K. Je me suis intéressée par un stage, je me suis dit, non, c'était pour toi, je fais OK, salut. On se retrouve à New York, il y a la pierre de Milan qui devait passer un entretien à Kim. Une amie d'enfance, genre, mais c'est... J'ai vu ton CV, j'ai dit, je l'appelle. C'est hyper drôle. Hyper drôle à New York. Super drôle. J'adore. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous croyez va gagner. Et après, vous verrez si vous avez gagné, est-ce que ce sera Bilal? Votez pour moi. Est-ce que ce... Ouais, il vote déjà, c'est pour tout. Est-ce que ce sera Sulish? C'est nul. Est-ce que ce sera Mandy? Kim, est-ce que ce sera Yanis ou est-ce que ce sera moi? Oh my god, Ali, I'm not seeing my best friend for. No, you're coming back on the end. I love you. I love you so much. C'est ça notre problème avec Yanis, c'est qu'on prend des risques. Kim, elle est nulle. Kim! C'est ça notre problème avec Yanis, c'est qu'on sort, on fait notre full face, après on met notre pull, après on l'enlève parce qu'on veut mettre autre chose, après on se fait des câlins alors qu'on est plein de make-up. Du coup ça donne ça. Oh, regarde, elle est... Oh, c'est orange. J'ai acheté aujourd'hui, c'est un mai, c'est un mardi là en plus. Comment pas les amours Clara et Excès dont vous avez l'habitude. Entre Olivia Jade qui se douche, la Sugar Baby qui fait pipi, et moi qui essaie de me démaquiller et de mener une vie normale, j'en peux déjà plus, sauvez-moi. Rendez-moi des gens qui mettent de l'importance à leur image. Bon, vous l'avez compris, avec Kim, on adore faire des blagues totalement décalées. Donc là, vu qu'Anis, il n'était pas là la veille à New York quand on était ensemble, on a décidé de lui faire croire que pendant la journée, on était allé voir une hypnotiseuse qui nous a appris à dormir debout. Genre, elle nous a fait un sort et on arrive à dormir, genre, les yeux ouverts. Et on faisait flipper Yanis comme ça. On a des problèmes. That's why I do think of these GMs all the time. They had Rod Chudzinski, they had Mike Pence, who was at his... And you say, why is it going to necessarily... Je te jure que c'est en train de changer ma vie de pouvoir dormir les yeux ouverts. Il y a la setlist de Coachella qui vient de sortir. Kim, les résultats sont arrivés. Non, tu mens, il n'y a pas Nikki. Oh mon dieu, Yaya! Je suis satisfait parce que Frank Ocean, parce que la Natalie, parce que Aya, parce que Summer Walker, parce que Charlie XCX, parce que Anita, mais je suis pas impressionné. Et là, c'est l'industrie. L'usine à frappe, à peu frappe, à badise. Tu dis ça comme miroir, je... C'est pour ça qu'après le teint, il est orange. Nouvelle Airbnb. Et lui, bah, c'est celui dans lequel on va rester le plus longtemps. Mais c'est grave la vibe, genre New York. J'ai l'impression que je pourrais y habiter. La Yankee Candle préférée de Kim. Elle est fan de Yankee Candle. La petite cuisine. On a ma chambre. Je dors solo. Là, du coup, c'est leur chambre. Regardez. On dirait un paradis fiscal. Le lit, il est géant. On va être trop bien parce que c'est genre confortable. Mais c'est pas non plus trop confortable. Donc, on a envie que de rester ici. Bisous.
tard. Mon Dieu, elle est là, la partie. Allez, bye. Ils sont hyper sceptiques. Mais moi, je parce qu'ils adorent les sauces genre sucrées, les sushis d'habitude. Du coup, tu veux juste attendre à des sushis en bas de California. C'est incroyable. Ils avaient peur de pas aimer, ils sont de racler les grains de riz. Ça racle les assiettes. Regardez tellement c'est bon. Non, mais c'est chaud quand même. Trop, trop bon. Regardez Kim avec les extensions. Like, oh mon Dieu, c'est chaud quand même. Bébé, on dirait Kim Kardashian. Là, on gambade. On pensait qu'on gambadait, elle avait préparé exactement d'aller à l'endroit de Cookie. Yeah. Donc, on va y aller. Je fonds, c'est moi. Les écureuils, c'est vraiment ma vie. Non, on en prend, on le ramène à la partie. Non, genre. C'est cruel. Dans l'Arc de Triomphe. Ici à New York, ils utilisent des choux-fleurs en déco. C'est arrivé, c'est là. C'est là. Tu le refais là. Ouais. Porcelano, ça c'est quoi, Kim? C'était l'université pour la boucherie, non? C'était pour la boucherie, là où Molière il a été. Parce que Chanel va y aller. L'arbre du Rockefeller. Oui, c'est ça, regarde, ouais. C'est là, ça c'est l'arbre iconique. Et là, c'est porte 5 coups. Avec Kim, on essayait de lui faire croire des trucs incroyables. Il a compris comment t'es. Il est beau, hein, bravo. Regarde même pas en fait les monuments t'as mis pour toi. Et toi, oh, je te mets une tag dans le blog. Je suis scandalisée. Avec ses pompons. Ah, elle a des pompons aussi. J'aime pas les gens qui me parlent alors que je leur ai pas donné l'autorisation de me parler. House tour. Je peux enlever un des trucs de ma bucket list. Ce supermarché est un enfer. Il y a plus de lingettes démaquillantes que de sauce pour les pattes. Des auto-tamponneuses. Oh mon Dieu, rien ne va. D'ailleurs, j'ai un petit pis genre une pisse qui a bougé. Apparemment, il y a une troisième guerre mondiale parce que Trump a genre foutu une bombe en Iran. On est en train de paniquer de ouf. Apparemment, ils vont se venger avec New York et tout. Les gens, ils sont en train d'en rire sur Twitter. Nous, on a les gens. Donc, on hésite à repartir. Avec Canis, on arrive grave à jouer avec nos voix. En gros, sur YouTube, quand vous mettez les vidéos en 0.25, ça fait comme ça. On les a ouverts, les macaroniennes. Imagine si on met en avancée, on entend genre normal. Parce qu'en fait, je vous raconte, on a appris ça parce qu'on essayait d'étudier les attitudes de certaines personnes sur YouTube. Et on est vraiment des sociopathes. Du coup, pour vraiment faire attention à genre comment ils bougent leurs yeux et tout, on mettait en 0.25. Oui, c'est vrai, je suis traumatisée parce que c'est vrai qu'on ne pas. Je suis désolée, je me casse. On s'énerve grave avec Kim parce qu'on a grave des façons de vivre différentes. J'apprends et lui, non. Le Airbnb, soyez discrets dans le Airbnb, nous, cacophonie. Ta version de la pudeur est toi, non. Sa version de la pudeur est très différente à la mienne. Les amis sont en train de s'instruire sur mon passé. Ils ont vu les vidéos d'il y a 3 ans. On est en 2014 quand même. T'as tellement évolué. T'étais bizarre, vraiment, genre j'adorais et tout. Ça veut dire que t'étais pas, je savais que t'étais pas d'abord. Non, je rigole. Le petit white boy et tout. Et maintenant, genre d'un coup, t'es devenu genre that bitch, bad bitch. Un choc. T'aurais préféré que je reste comme j'étais avant. Bon, on serait sortis ensemble quoi. C'est une style vestimentaire. Antonin, ça allait pas être. Organiser notre boutique avec les sacs, les accessoires. Est-ce que tout est empruntable? Oui, je l'avais demain. Non, c'est moi qui l'ai mis. Risque et péril de chacun. On s'échange un peu tout. Le Off-White et Balenciaga, il manque les Angers Adel. Les Billy Birds. Il y a Justin qui est en live. Il est en train de faire tout son album. Elle pleure, Kim. C'est quoi votre histoire avec Justin? Elle peut raconter, elle a beaucoup de choses à dire. Quand il avait tweeté. I just met an amazing fan. Kim, you know who you are. She said I saved your life. Those words mean the world. On a campé de Yannis et moi. On dormait dans l'hôtel. Il pleure. Ses cheveux, c'est une catastrophe. Tiens, ma crasse, elle est en train de commenter, mais elle veut quoi? Juste parce qu'elle est sortie, il va pas la cala, hein. Elle est sur bien, bien, quoi, elle va capter. Pas la faire elle ta mère. Ça continue, hein. Ah, c'est pire. Chana, on t'aime. Ben là, on se prépare, on fait des bouts. C'est confortable, en plus. Je fais flipper, qui. Yes, la high note. Nous allons au Chelsea Market. Il y a des trucs à acheter, genre il y a des fringues et tout. Ah, j'adore. Et il y a aussi genre plein de bouffe. De bad bitch, une diva. C'est quoi ça? Period. Mon employeur. Le mec il est trop gentil, genre il a une voix douce, genre comme dans les films, genre il nous a installé, j'ai dit thank you handsome. Ça veut dire merci beau gosse. Il a genre 80 ans. Vraiment je l'ai dit d'une façon tellement sensuelle, il a dû mourir. Fun fact, tu es en train de manger une soupe au brocoli. Quand j'étais petit mes parents ils me faisaient tout le temps des shakers au brocoli. Genre quand j'étais à Chicago quand j'avais 1 an. Je crois que Justin il est à New York. Non mais t'as pas compris. Justin il est à New York. La fin de ton séjour c'est pas avec lui que tu le passes, c'est avec lui alors. En fait cet endroit il fait à la fois du steak, à la fois du homard. J'ai dit je veux les deux.
On a bu un verre, on est complètement défoncé, c'est chaud. Hazel Sud, juste pour voir s'il n'y a pas Justice. Je vais demander à la pâte si Justice a l'œil unique alors que pas du tout elle se fait des tirs. Pourquoi tu cherches des sextoys? Je vais changer mes chaussettes en public, au secours. C'est ça d'avoir des talons. Oh, ah, non, c'est des collants. Des portes jartelles. Je sais où, j'ai plus mal. Moi, on fait une soirée ce soir. À chaque fois, vous me dites que je le ressemble. Est-ce que c'est vrai? C'est un monstre. Si, croyez-moi qu'on dévalise. Donc là, on est allé à un bar rooftop. Je vais vous faire un petit time-lapse. Ça sera relaxant. Concentrez-vous. Regardez comment les voitures, elles s'arrêtent, elles changent, les petites lumières. Officially? Yeah. Oh my god, so you're getting so much money. You have to say that you had so much stuff inside. Max is 3500, but like my makeup alone is like 800. Right? Literally, new. Ask for the bill, Kim, and pay for it. Period. Tu sais, on est au 17ème étage, si tu sautes, normalement tu crèves, donc saute. On a mon père Kim partout. Elle est en bas. Elle est fan et elle est à la. Oh wait, but why are you talking to her in French? What? Je saute. T'es menotté. Ah ouais, c'est vrai. Mais avant, j'ai eu un mec qui était menotté devant moi, j'étais chaud. Le mec chat. Oh. Y'a un concert. Bébé, mais non, mais c'est pas possible, t'es en train de tous les essayer, ça marche pas. No, 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 Alexa is literally so late. No! We don't want. Compare your size of shoes. Oh my god! It's literally the size of a cookie. Elle peut même pas attendre à rentrer à la maison. I'm gonna miss you so much. I miss you more. Ash is eating food. I love you so much. Are you coming to Paris? Yeah. Elle était en bombe, regardez la tenue. Et elle a décidé d'aller faire une sieste. Mais j'avais dit que je gardais la canette de Starbucks pour moi. Mais là on est en cas d'urgence. Je la sors en cas d'urgence. En remontant. Une heure pour se repimper. Littéralement c'est un métier ce qu'on fait de se préparer. Yanis, Red Fantasy, Pink Fantasy, Antonin le styliste. Et moi vraiment Baby Blue. J'espère qu'on va m'accepter en boîte parce qu'il faut comprendre la vibe quand même. Du coup on arrive en rouge, bleu et rose. Les Pauvres. Voilà, les Total Spice. Mettez en commentaire combien de boîtes de nuit vous pensez qu'on a fait ce soir là. Dans les prochains épisodes, les ex et comment. Les premiers dramas, les premières cuites, la visite d'un musée du sexe et plein de situations cheloues. Explosez la barre de pouce bleu et activez la cloche de notification si vous voulez que je vous mette la suite avant l'heure.